parfait en arrivée. Bah écoute, c'est parfait, hein. Ouais. On va faire un peu de place. Voilà. Voilà, on vient de prendre la chambre. Ah, c'est très sympa, voilà. La chambre. Je vais vous faire un petit tour à 360. Ouais, ça fait un peu... C'est la brique vernis. Ouais. Et il y a la clim. Café d'art, chrome 2, parce que moi je veux café glacé sans sucre. Alors vous avez vu, on fait d'abord un café chaud et ensuite on le met dans les glaçons. Café, café, glaçon. Juste le temps de prendre une douche et maintenant on va chercher les vélos parce qu'on va poursuivre la route, enfin le voyage, la visite avec des vélos. Alors on a le choix, c'était à pied, c'est assez long, vélo, ce qui est plus rapide, et voiture électrique parce que c'est une zone écologique. Vélo électrique, sauf que regardez derrière moi, je pense que vous voyez, il y a l'orage qui arrive. Alors, d'abord on se passe ça pour pas se faire. On se passe ça sur les. Voilà. Pour ne pas. Sur les chaussettes, hein, comme ça. Pour ne pas se faire piquer. Ce que je me doutais un peu, c'est que les vélos, ils sont, c'est des monovitesses. Attends, je vais te montrer, je prends la caméra. Regarde. Voilà ce que c'est comme vélo. Hein ? T'as qu'une seule vitesse, les freins, on n'en parle même pas, au niveau de du confort. Ça doit être à peu près nul. Enfin bon. Je pense pas qu'on va faire des excès de vitesse. J'ai rangé mes caméras à 360 degrés, il commence à pleuvoir. Donc je filme en GoPro. C'est parti. Sur des vélos qui font mal au cul. Vous transmettre les odeurs,
ça sent très 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 bon. Accident. Ok. Et il pleut. Bon, on se fait rejoindre par plein de monde parce que ça y est, ça tombe et ça tombe très fort. Là, c'est terminé. Ouais, je sais pas comment ça va se dérouler aujourd'hui la balade parce que du coup, avec toute la pluie. On va réveiller très tôt le matin pour aller plus loin. Ouais, ouais. Parce que là, c'est mal barré. Alors, j'ai pris mon petit déjeuner du matin, hein? Ça s'appelle un jacquier. Bon, celui-là, pour le matin, ça va être bon, ok? En vietnamien, qu'on appelle Bang Lan, et qui a été foudroyé ben depuis très longtemps, je ne connais pas. Ça fait... T'es toute petite à côté. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je suis... On fait découvrir des choses. Hein. Allez, on continue. Voir que le logo qui est ici, c'est un rhinocéros. Alors je vais vous expliquer pourquoi un rhinocéros ici. Bah, tout simplement parce qu'ici,
il y a ce qu'on appelle le rhinocéros de Java. Donc vous avez la photo là. Alors ce rhinocéros, qui est, je crois qu'il est en voie d'extinction, ou il est sauvé, je ne sais pas, je vous dirai ça, j'afficherai. Mais ce rhinocéros, avant, eh ben, il y en avait un qui vivait ici en toute liberté. Et il est décédé en 2016, bah, de mort naturelle, hein, de vieillesse, parce qu'il était très vieux. Alors il y a d'autres rhinocéros maintenant qui vivent, mais beaucoup plus en amont. On ne les verra pas, puisque bah, voilà, il ne faut pas les déranger, puisque c'est une espèce quand même protégée. Mais il faut savoir que pourquoi l'emblème ici, bah, tout simplement parce qu'il y avait un rhinocéros ici, de Java, qui vivait en toute liberté. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, bah, vous voyez, on a recommencé les balades malgré les problèmes Covid. On vous montrera bien sûr d'autres choses. On avait prévu plein de reportages pendant cette année qui ont été annulés. Mais vous allez voir, restez, abonnez-vous à la chaîne parce que vous allez voir, il y a plein de choses super sympas qui vont venir. Même si 2021, ça a été catastrophique, 2022, ça sera bon. Promis, hein, qu'est-ce que t'en penses? Yeah, j'en suis sûr. Voilà. Ah. Alors moi, je suis habillé pour la jungle, Namjane, toujours. Hein. C'est la seule. Bon, j'ai la casquette. Bye bye.